Salut les papoteuses, salut les papoteurs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo culinaire. Ça faisait très longtemps. Et aujourd'hui, nous allons faire une pizza healthy. Une pizza 100% avec des légumes. Allez, c'est parti. Donc, vous allez voir, c'est une recette vraiment très très facile. Donc, dans un premier temps, il vous faudra un chou-fleur, 3 œufs. On va utiliser uniquement le jaune des œufs, vos épices, sel, persil, poivre, comme vous voulez. Et moi, j'utilise aussi des petites épices comme ça qu'on trouve dans les magasins asiatiques. Au niveau de la garniture, je vais faire une base de sauce tomate. Donc voilà, rien de très particulier. Et ensuite, libre cours à votre imagination. Alors, la première étape, ça va être de faire ce qu'on va appeler la pâte à pizza. Et cette pâte, en fait, elle se fait principalement avec votre chou-fleur. Donc, vous allez le découper tout simplement pour pouvoir en faire des petits morceaux. Donc, une fois que vous avez découpé, alors moi, j'avais un petit invité surprise, j'avais une petite limace. Donc, voilà, une fois que vous l'avez bien découpé, on va juste le nettoyer à grande eau. Et on y va, on nettoie bien au cas où s'il y a d'autres limaces. Une fois que vous avez bien nettoyé votre chou-fleur, on va le mixer, mais on va le mixer par petits à-coups. Et si jamais vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez le faire avec une râpe sur le trou le plus gros. On va rajouter les 3 jaunes d'œufs, nos épices et on va mélanger le tout jusqu'à temps qu'on obtienne une espèce de petite pâte. Il ne faut pas que ça soit trop sec ni trop mouillé. Si jamais c'est trop sec, vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive et ça ira. Maintenant, on va prendre une plaque qui va aller au four sur laquelle on va étaler la préparation. Alors, étalez bien votre préparation de façon que ce soit ni trop épais, ni trop mince, en fait, un peu comme vous aimez votre pâte à pizza. Et vous l'étalez vraiment de façon que ce soit le plus régulier sur votre plaque. Une fois que vous avez obtenu l'épaisseur qui vous plaît, alors il n'y a plus qu'à enfourner, tout simplement, ça va permettre à pré-cuire la pâte en feu, comme une pâte feuilletée. Donc voilà notre jolie pâte qui sort du four. Maintenant, on va la garnir comme une pizza classique. Donc là, je mets ma sauce tomate et ensuite je mets le reste de ma garniture. Et on va remettre la pizza au four comme une pizza classique. Et voilà, c'est prêt. Donc quand on regarde de plus près, ça ressemble vraiment à une pizza tout à fait classique. C'est une très bonne alternative pour faire les enfants manger des légumes, pour ceux qui font attention à leur alimentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais des bisous. Puis à la prochaine. Ciao, ciao et portez-vous bien. Bye.